hommage à tous les morts pour la France. Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. 11 novembre, la fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Événement qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d'ajouter une année ou un millésime. Ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d'un siècle notre patrimoine commun. À la 11e heure du 11e jour du 11e mois, après 4 interminables années, le canon s'est tu. La fureur s'est calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, jusqu'au front, du premier d'éclairon à tous les clochers de France, de l'esplanade de chaque ville à la moindre place de village. Une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance ont traversé le pays de part en part. Derrière l'allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les Marseillaises triomphantes, partout le deuil, les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installées pour longtemps. Des mères et des pères qui n'ont pas retrouvé leurs fils, des fratries qui n'ont pas retrouvé leurs pères, des épouses et des époux qui ont perdu l'être aimé. Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918, de ceux tombés au champ d'honneur sur tous les fronts d'Orient et d'Occident. Nous nous souvenons du combat valeureux de tous ceux qui, venus des 5 continents, ont défendu un sol qu'ils n'avaient auparavant jamais foulé. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Ils nous rappellent la fraternité d'armes. La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui œuvrent aujourd'hui à la défense de notre pays et qui mènent notre inlassable combat pour la liberté. La même fraternité mémorielle qui, chaque 11 novembre, nous réunit pour honorer les combattants de tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. La nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021. Aujourd'hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d'Hubert Germain, jusqu'à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont Valérien. Selon la volonté du général de Gaulle, l'ultime compagnon de la libération y reposera. Dernier dans la mort, parmi les premiers de 1940, Hubert Germain est le porte-étendard de 1038 illustres qui ont tant fait pour l'idéal de liberté et l'esprit français. La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ces braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement, en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec dévouement et courage. Soldats morts pour la France, 11 novembre 2021. Colonel Sébastien Botta, commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, mort pour la France en Égypte le 12 novembre 2020. Maréchal des logis Taneri Mori, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Brigadier Dorian Azakanian, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Brigadier Quentin Pochet, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Sergent-chef Yvonne Huyne, 2e régiment de hussards, morte pour la France au Mali le 2 janvier 2021.
brigadier chef Loïc Risser, 2e régiment de hussards, mort pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Sergent Maxime Blasco, 7e bataillon des chasseurs alpins, mort pour la France au Mali le 24 septembre 2021. Et les morts d'Épinois. En 1914, soldat Louis de Brême, soldat Louis Drocourt, soldat Jules Convert, soldat Jules Antoine. En 1915, adjudant Émile Gosselet, sergent Célestin Théron, soldat François Herlin, soldat Jean-Baptiste Hubert, sergent Jules Desfontaines, caporal Aimable Desfontaines, soldat Julien Boquet, adjudant-chef Augustin Bernard. 1916, caporal Émile Laurent, soldat Eugène Dinguin, soldat Georges Hubert, soldat Angèle Gilron. 1917, soldat Charles Branque. 1918, soldat Charles Bézé, soldat Charles Boulet, soldat Eugène Autric. Victime civile, en 1918, monsieur Antoine Roger. Guerre 1939-1945, soldat Emmanuel Foulon, soldat André Plateau, soldat Jules Brusquin. Victime civile, monsieur Victor Mollet, monsieur Lucien Véret, madame Euphémie Duchâtel, monsieur Georges Giroux.